Je suis un homme. À quoi vous jouez là? Regarde. Quoi? Tu parles de cette grosse carotte qui est moche? Bon, attends, je vais le voir. Qu'est-ce que vous le regardez comme ça? Oh! J'ai mal. Espèce de sale enfoiré. Eh ouais. Tu vas me payer ça! Tu vois, je suis vraiment quelqu'un de cool. Non, c'est pas que le fait qu'on a peur de lui. Quoi? C'est parce qu'il pue. Oh, c'est clair. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Bah au moins, il est beaucoup plus agréable à sortir que Bordignan. Allez, dans 3, 2, 1... Aou! 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 Connard, va! De toute façon, vous serez les prochains à être éliminés. Pas si, on trouve un moyen pour te débarrasser de toi d'abord. Oh, vous pouvez même pas le faire, je suis fort à tout. Vous n'y pourriez rien. Ça, c'est ce que tu crois. Vous pouvez arrêter de vous battre? Bah non, parce que il a débarrassé de tous les candidats, y compris Feu Lion. C'est vrai que Feu Lion, il a été éliminé pas à cause de toi. Tu vas nous payer ça. Vous pouvez rien faire, je suis vraiment trop cool. Ah, tu fais vraiment penser à Fabario dans Dr. Sclosy. Et à Knackle. Quoi? Comment oses-tu comparer à cet abruti à moi? Je croyais qu'il était cool. Ouais, bah plus maintenant. J'ai essayé de lui signer un autographe et il l'a jeté par la poubelle. Et Mario l'a tabassé. Bah normal. Hé, hey, toi le chat mignon, ça te dirait qu'on fait la bourre? Oh, ce que tu peux être mignon. Ce que tu peux être sexy. What the fuck? T'es en train de faire l'amour avec une maquette? Oh, mais t'es vraiment malade, toi. C'est toi qui es malade. C'est vrai, j'ai fait l'amour avec une maquette. Bon, enfin bref, les candidats, c'est parti pour l'épreuve time. L'épreuve que vous allez faire aujourd'hui, il s'agit des maths. C'est vraiment l'épreuve la plus stupide que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Ça devait être de l'extrême, pas de la facilité. Mais c'est justement ça. Est-ce que vous y connaissez les maths? Est-ce que vous avez essayé les maths? Non. C'est de l'extrême, voilà. Voilà. Mais enfin bref, l'épreuve est très simple. Si le candidat a plus de notes, il a gagné. Mais celui qui a le moins de notes parmi les candidats, il sera éliminé. Je déteste quand tu fais le boulot à ma place, Bordignan. Et ça, j'adore. Quand il fait les méchants. Mais enfin bref, voyons voir si vous êtes capable de faire les maths. Il se trouve là-bas, c'est le cours. Chacun à leur tour va devoir y faire. Et vu que Arco était le premier à réussir l'épreuve, il va devoir participer le cours. Oh, franchement, quand je veux passer le premier, ils veulent pas. Mais quand je veux pas passer le premier, ils me forcent. Mais franchement, c'est franchement du chantage là. Vas-y, sans discuter. Chantage, va. Ouh, comme c'est original. Alors, les multiplications. Alors, voyons voir. Je vais 8 fois 8, ça fait quoi déjà? 64. 7 fois 7, 49. 6 fois 6, c'est 20, je suppose. 5 fois 5, trop facile, ça fait 25. Et 10 fois 10, ça fait 10. Et je dois marquer mon nom aussi. Alors c'est parti. 5 fois 5, 25. 10 fois 5, 50. 100 fois 50, ça fait 50. 100 fois 1, ça fait 10. Et 5 plus 5, ça fait 15. Dis Marisson, comment tu fais pour avoir une note aussi médiocre? Pourquoi tu dis ça? Parce que, ben, 5 fois 5, ça fait pas 5, ça fait plutôt 20. Non, ça fait 25. C'est le cas contraire. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le BG. Alors, voyons voir. 5 moins 5, ça fait moins 5. 3 moins 2, ça fait 6. 0 moins 1, ça fait 4. 0 moins 3, ça fait 3. Et 4 moins 4, ça fait 8. Donc 80 finalement. Et voilà mon travail. C'est tout de boulot, les maths j'adore, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors voyons voir, 3 plus 3 ça fait
6. 6 fois 6, ça fait, attends que je réfléchisse si je me trompe pas. 36. Alors, 1 moins 1, ça fait 0. 5 plus 5 moins 5, ça fait 5. Et enfin, 5 fois 5 plus 1, ça fait 26. Hé, comment ça, regarde là-haut. Mais je vois rien. Comment j'ai fait pour voir? Bon, c'est pas grave, je présume. Franchement, à tous les fans de Pataman, c'est-à-dire moi, ne vous prenez pas mal, mais je suis pas très fort en maths, alors... j'espère que je vais pouvoir réussir. Alors, 0 plus 0, ça fait... 10 1 plus 1, ça fait 1. Ça fait 10. 5 fois 5, ça fait 23. Et ça, ça fait 20, je présume. J'espère pouvoir gagner. Oh, je le sens mal. J'ai la traque. Si je serais éliminé, c'est pas grave. Au moins, je peux réussir à aller jusqu'au bout. Et tu seras le dernier Digimon à être éliminé. Il est temps que je passe à les vérifications. Ah oui, j'oubliais un truc. Il n'y a pas d'excuses. Vous ne devez pas donner d'excuses ou quoi que ça d'autre. Ou bien quoi que ça d'autre. Il n'y a pas de caméra surveillant. Et vu que le fait que ce sera l'épreuve injustice, je veux même pas savoir, ok? Bon, il n'y a même pas de problème, je... What? Qu'est-ce qui s'est passé? Naze. C'est vraiment naze, Arco. Quoi? Mais c'est pas moi que... Je veux même pas d'excuses, je t'ai dit, je veux même pas savoir. Qui a osé faire... Alors, c'est bon. Non plus. Moins bon, 3 sur 5. Au moins, tu seras pas le premier à être éliminé. Pandignan, excellent. 6, 36, 0, 5... 26, mais c'est vraiment une très belle résultat ça, Bandignan. 5 sur 5. Hey, mais attends, c'est mon résultat, c'est ma note ça. Attends, à moins que... Ça. Tu es vraiment plus stupide, comme Arco. Alors, voyons voir. 0. Mais c'était pas le... Qu'est-ce que j'ai dit, Bandignan? C'est marqué Bandignan et c'est marqué Comasan. Il n'y a même pas de trucage et je veux même pas savoir. Mes boules chattes. Et quant à toi, Patamon, souviens-toi, si tu as 0, tu seras éliminé. Ouais, ça commence bien. C'est bon. Ouais, 2 sur 5. C'est médiocre, mais... C'est quand même mieux que les deux autres candidats. Alors, ça veut dire que je peux continuer l'aventure? Ça aurait pu, mais tu peux continuer l'aventure. Ah oui, vu qu'étant donné que Arco et Kamasan ont 0 sur 5, vous serez tous les deux éliminés. Quoi? Non, mais c'est pas possible! Au cas où j'aurais oublié de vous le dire, c'est que 0, ça veut dire que vous serez automatiquement éliminés. Ça, je vous ai pas dit. Et vu que le fait que vous avez eu l'un des résultats les plus médiocres des toutes, vous êtes tous les deux éliminés. Et je veux même pas savoir. Alors là, franchement, j'espère que tu vas te porter malheur, bande d'espiègles. Oh, j'ai peur. Et voici les finalistes. Marisson, bande d'espiègles et Patamon. Vous êtes les trois finalistes. Wow. J'aurais jamais cru. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai cru que c'est à cause de ça que je serais éliminé. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Malheureusement, vous deux, vous allez devoir être éliminés. Va te faire foutre, bande d'espiègles. Le plus profond de mon cœur. Merci, moi aussi je t'aime. Franchement, vous êtes vraiment les fils de Ducobu. Franchement, comment vous pouvez avoir les si médiocres que... notes que ça, franchement. Franchement, j'espère que Bandespeg va recevoir la plus grosse sentence de sa vie. Ouais, je l'espère aussi. Et moi, je dis que vous mériterez l'élimination de votre vie. Ciao, ciao. Enfin, il ne reste plus que 3 candidats. Et franchement, c'est franchement l'un des plus grosses décisions à voir. Qui sera le prochain à être éliminé? Et qui va enfin pouvoir toucher les 1 million de dollars? Vous le saurez dans DPSRM n'importe quoi, Battle of Fuck, dans une prochaine épisode, parce que le prochain épisode, c'est la finale!